Ce lundi 1er janvier 2024, France 2 a proposé en prime time un nouveau duo d'animateurs composé de Christophe Deschavannes et Philippe Cavrivière pour animer « Quelle année ?», un quiz portant sur les événements insolites de 2023. Bien que l'ambiance sur le plateau ait été joyeuse, les internautes ont rapidement manifesté leur mécontentement envers l'émission. La principale critique portait sur l'attitude de Deschavannes, accusé de prendre beaucoup trop de place dans l'émission. Pour le premier jour de l'année 2024, France 2 a décidé de présenter en prime time une émission inédite. Il s'agissait d'un jeu animé par Christophe Deschavannes et Philippe Cavrivière, dérivé du talk show « Quelle époque ?», habituellement diffusé le samedi en deuxième partie de soirée. Au lieu des discussions habituelles sur l'actualité médiatique, l'émission a pris la forme d'un grand quiz sur les événements insolites de l'année 2023. Pour donner le ton léger de la soirée, Christophe Deschavannes a co-animé l'émission vêtu d'un blazer noir et d'un large tutu blanc. Des célébrités réparties en équipes de deux ont accepté de tester leurs connaissances. Au cours de la première manche, des duos tels que Sophie Davant et François-Xavier Demaison, Roselyne Bachelot et Alex Vizorek, Agathe Le Caron et Mathieu Madénian, ainsi que Léa Salamé et Paul de Saint-Cernin se sont affrontés. La seconde manche a vu la compétition entre les équipes composées de Nadège Bosson-Diagne et Jean-Luc Lemoine, Michel Bernier et Théo Curin, Mamouze et Bonne Heymine, ainsi que Philippe Lelouch et le célèbre drag queen Paloma. Dans une atmosphère joyeuse, les candidats ont répondu à des questions portant sur divers sujets tels que la beauté, la politique, la presse, les réseaux sociaux ou encore la santé. La réponse était son peigne à moustache. Une autre question portait sur la découverte dans le cerveau d'une Australienne en août dernier, où la réponse était un verre. Une autre question demandait « Qu'est-ce que Kylian Mbappé a porté pour la première fois le 24 mars 2023 ?» La réponse était le brassard de capitaine. Une dernière question était « Quel vieux tube a fait son grand retour avec la Coupe du monde de rugby ?» La réponse était « Dans les yeux d'Émilie de Collectif Métissé ». L'émission était ponctuée de petits happenings en rapport avec les questions, comme la venue sur le plateau de l'inventeur de la cheche synchro. Malgré l'ambiance décontractée sur le plateau, les internautes ont rapidement exprimé leur mécontentement à propos d'un élément particulier. À peine quelques minutes après le début de l'émission, Christophe Deschavannes et Philippe Cavrivière ont commencé à faire la promotion des célébrités présentes. Les références aux différents spectacles, livres et émissions se sont succédées rapidement. La comédienne Nadège Bosson-Diagne s'est même permis de faire sa propre promotion, évoquant ses projets sur grand écran. « Je suis un peu frustrée en tant qu'actrice égotique, car je suis dans le prochain film de Noémie Merlant qui s'appelle « Les femmes au balcon » en 2024, et j'avais envie d'en parler. » Cela a renforcé l'impression des internautes d'assister à une émission promotionnelle. La tendance de Christophe Deschavannes à monopoliser la parole au détriment de son co-animateur a également été fortement critiquée sur X, anciennement Twitter. Sur le réseau social, cette formule en binôme a été considérée comme une mauvaise idée et de nombreux internautes ont exprimé leur compassion envers Philippe Cavrivière. L'émission a également été qualifiée de trop bruyante et brouillonne, ce qui a incité certains téléspectateurs à changer de chaîne. Bien que moins nombreux, quelques internautes ont affirmé avoir passé une agréable soirée en regardant cette émission inédite et ludique. La fin du programme semble avoir davantage convaincu les téléspectateurs que le début. Aux alentours de 23h, ces derniers ont pu assister au sacre du duo formé par Roselyne Bachelot et Alex Vizorek.